Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans le Ozaki Show pour notre toute nouvelle vidéo. Cette semaine au programme, après de nombreux mois d'attente, on va enfin parler de ce jeu que je tease depuis de nombreux mois et qui m'a été demandé à maintes reprises. Aujourd'hui dans le Ozaki Show, on va parler de Xilion sur Master System. Mais avant cela, opening! Akai Kudan Xilion. Voilà un animé qui mérite tellement qu'on en parle, tant celui-ci est extrêmement méconnu de par chez nous, alors que pourtant, celui-ci dispose d'une histoire juste rocambolesque. Diffusé à partir d'avril 1987 sur la Nippon Television, Xilion est, comme vous avez pu l'entendre, un animé japonais de science-fiction que l'on doit au célèbre studio Tatsunoko Productions, qui ici nous offre une superbe épopée spatiale ô combien intéressante, dont voici le synopsis. En l'an de grâce 2387, l'humanité vient de rentrer dans une ère de colonisation spatiale, où ces derniers viennent tout juste de trouver refuge sur une planète en tout point semblable à la Terre et qu'ils l'ont affectueusement appelée la planète Maris. Cette planète, à des milliers d'années-lumière de la Terre, était un véritable havre de paix où il faisait bon vivre, et où ce petit coin dans l'univers était aux yeux des humains, rempli de belles promesses et d'espoir, avec la certitude que la vie dans l'espace était tout à fait possible. Cependant, leur arrivée sur la planète Maris était vue d'un mauvais œil par la race extraterrestre des Noza, qui refusait de partager une quelconque ressource avec ces humains débarqués de nulle part et qui s'appropriaient sans autorisation les incroyables ressources que l'on pouvait trouver sur Maris. Et pour leur montrer qu'ils n'étaient pas la bienvenue, les Noza lança donc un énorme génocide pour annihiler tous les humains qui résident sur Maris et ainsi garder à la fois les précieuses ressources de cette planète, mais aussi pour y installer leur propre royaume sur cette dernière. Mais alors que tout était perdu et le destin de l'humanité scellé, trois armes aux capacités incroyables sont miraculeusement apparues sur la planète Maris et vont permettre à l'humanité de se défendre contre la menace extraterrestre. Bien évidemment, ces armes surpuissantes, nommées Xilion, n'ont pas été données au premier homme venu, puisqu'en réalité, celles-ci ont été confiées à l'équipe d'intervention spéciale, appelée les White Nuts, composée de trois jeunes mercenaires d'exception du nom de Gigi, Apple et Champ. Durant les 31 épisodes que compose la série, le téléspectateur va pouvoir suivre les nombreuses péripéties de nos jeunes héros qui vont donc devoir défendre la planète Maris tant bien que mal contre l'infâme menace des Noza qui de jour en jour sera bien plus puissante et va réserver bien des surprises à nos héros qui ne sont pas au bout de leur peine. Dit comme cela, on pourrait largement supposer que nous sommes en face d'un animé qui va être des plus redondants, où celui-ci va recycler les mêmes intrigues de scénario au fil des épisodes, quitte à le rendre très poussif à suivre. Mais cependant, après avoir vu l'intégralité des épisodes de la franchise pour les besoins de cette vidéo, je peux vous assurer
que Xilion s'en sort vraiment bien de ce côté-là et arrive très rapidement à capter l'attention du téléspectateur. Car en effet, si beaucoup d'animés SF de cette époque sont assez compliqués à regarder et demandent une très grande concentration pour bien les apprécier, comme notamment des animés à l'instar de Bismarck ou encore Helgheim qui sont plutôt corrects mais où il faut regarder plusieurs épisodes pour vraiment rentrer dedans, Xilion, lui, arrive à capter instantanément l'attention du téléspectateur avec un concept extrêmement simple d'armes surpuissantes que seules trois sympathiques personnes sont en mesure d'utiliser. Pas besoin de longs discours, de contexte géopolitique à mettre en place, l'action est au centre de l'animé et on prend plaisir à découvrir au fur et à mesure des épisodes les nombreuses aventures de nos héros qui vont découvrir peu à peu les véritables intentions d'Enosa concernant cette planète colonisée. Si je dois donner un avis subjectif à cet animé, je le trouve plutôt bien rythmé, avec des scènes vraiment bien ficelées, où nous allons retrouver des séquences humoristiques au bon moment, des passages dramatiques de temps en temps, et surtout des moments de calme et de sérénité qui font extrêmement du bien entre deux batailles épiques. Bref, vous l'aurez donc compris au travers de cette courte analyse, qu'on est en face d'un animé qui a plutôt bien vieilli, et on comprend aisément pourquoi l'animé a reçu en 1987 le Japan Anime Fan Awards, aussi bien pour la série en elle-même que pour les personnages de Gigi et Apple qui ont énormément plu au public. D'ailleurs, deux petites anecdotes fort intéressantes, il faut savoir que l'opening, chanté par Lisa Yuki, figure parmi les meilleurs openings de l'année 1987. Un comble pour cette chanteuse qui venait tout juste de débarquer dans l'industrie musicale et qui n'a d'ailleurs chanté que pour Xilion et Shulato. Enfin, fait très cocasse, lors de la sortie du jeu Xilion sur Master System aux États-Unis, le jeu a tellement été un succès là-bas que nos petits américains ont eu la chance de voir débarquer les 5 premiers épisodes de la série en VHS. Juste pour cela, on ne peut que les envier d'avoir eu le droit à une petite VHS, vu qu'aujourd'hui, ils ont carrément la chance d'avoir les Blu-ray de l'animé, tant cela a été culte à l'époque et a marqué les esprits. Et c'est intéressant que je m'arrête sur cette anecdote-là, puisqu'en effet, nous n'avons pas eu la chance d'avoir l'animé de par chez nous, malgré l'immense engouement des joueurs pour ce titre qui a été très important dans l'histoire de Sega. Et là, certains d'entre vous doivent se poser des questions et se demander pourquoi Xilion sur Master System est autant apprécié des joueurs encore de nos jours, et surtout, en quoi ce jeu a été important dans l'histoire de Sega. Pour comprendre tout ceci, il nous faut remonter très loin dans le temps, à l'époque de la sortie de la Mark III au Japon. Nous sommes en 1985 au Japon. À l'époque, le petit monde du jeu vidéo est en pleine effervescence, où ce média est devenu un véritable phénomène de société et est désormais ancré dans la culture populaire. Si le marché du jeu d'arcade se porte merveilleusement bien et voit paraître des jeux de plus en plus impressionnants au fil des années, le marché du jeu vidéo salon, lui, connaît un véritable essor depuis l'arrivée d'une certaine Famicom qui, à elle seule, réalise des records de vente démentiels et a introduit par la force du hasard le jeu vidéo au cœur du foyer japonais. Ce succès inattendu et retentissant a permis à son constructeur, Nintendo, de se faire une place de leader sur son marché avec une machine qui était à la pointe de la technologie et qui a rendu presque obsolète toutes les machines de jeu existantes sur le marché, écrasant donc tous les concurrents directs de l'entreprise. Tous ? Non. Quelque part dans la banlieue de Tokyo, une petite compagnie de jeux, répondant au doux nom de Sega, était elle aussi bien désireuse de percer sur ce juteux marché qu'elle avait manqué de peu vu que leur console, la SG-1000, a malheureusement été totalement éclipsée par la dite Famicom, ironiquement sortie le même jour. Battante comme elle est et voulant prendre sa revanche, Sega était déterminée à rattraper son adversaire et pour ce faire, la compagnie décida d'investir énormément d'argent pour pouvoir sortir une toute nouvelle machine qui serait capable de tenir tête à la console de Nintendo et pourquoi pas la devancer largement sur le plan de l'hardware. C'est donc dans cette optique que les Japonais ont pu voir débarquer sur les étalages à Noël 1985 la Sega Mark III qui avait cette grande volonté de surpasser Nintendo avec une machine qui était capable de proposer les meilleures expériences vidéoludiques possibles.
Avec à la fois les meilleurs jeux d'arcade du moment, avec du Hang-On, Space Harrier, Fantasy Zone, Enduro Racer ou encore le cultissime Shinobi, mais aussi en proposant des jeux 100% originaux, créés en interne et exclusifs à la machine. Ou ici, on pourra notamment citer des jeux comme Pitpot, Comical Machine Gunjo, Transbot, sans oublier quelques petits jeux de sport pour toute la famille, avec du Great Soccer ou encore Super Tennis qu'on ne présente plus. Bref, vous l'aurez compris que Sega va mettre les petits plats dans les grands et va être plutôt généreux avec les joueurs en leur offrant des titres dans des genres très différents, répondant à leurs besoins, qu'ils soient aguerris ou bien néophytes. Cependant, malgré toute la volonté de Sega et tous les efforts qu'ils vont mettre en place, la Mark III ne va malheureusement pas décoller et va se vendre dans ses débuts qu'en très maigre quantité. Il faut dire aussi que c'est très difficile de véritablement rivaliser avec Nintendo qui en ce milieu de décennie est extrêmement bien implanté sur le marché et fait des émules auprès du public depuis la sortie d'un certain Super Mario Bros qui a littéralement relancé l'intérêt des joueurs pour la Famicom. Certes, les jeux d'arcade de Sega sont indéniablement connus par ceux qui fréquentent les salles de jeu, et leurs créations originales peuvent éventuellement attirer un public qui désire des expériences de jeu un peu plus originales que Nintendo ne proposait pas encore. Mais malheureusement, Sega ne peut tout simplement pas faire face à Nintendo, qui est très imposant et bien plus ancré dans l'esprit collectif, avec des jeux très attractifs dont certains titres sont devenus cultes presque instantanément. Sega doit donc réagir le plus rapidement possible pour ne pas essuyer un nouvel échec cuisant et perdre à nouveau la grande bataille pour le marché des consoles de salon. Et face à cette situation assez délicate, la compagnie ne va pas hésiter un seul instant à adopter une stratégie marketing bien plus féroce et va surtout commencer à élaborer un plan d'action des plus intéressants et qui va lui permettre d'attirer le chaland sur sa console. Car si les ventes des adaptations de jeux d'arcade ou bien même encore les toutes nouvelles productions ne sont pas au-delà des espérances de Sega en termes de ventes, la compagnie a tout de même dans sa manche une solution pour pouvoir gagner l'intérêt des joueurs très facilement. Et cette solution n'est autre que les licences. Puisqu'en effet, si Sega a compris une chose vis-à-vis de la stratégie d'attaque de ses concurrents, c'est qu'en utilisant l'image de marque d'une personnalité ou d'une licence populaire, ceci vont forcément ramener de potentiels joueurs qui ne sont pas forcément intéressés par la machine au premier regard, mais qui vont se laisser tenter parce que leur idole favorite en a fait la promotion ou parce qu'il y a carrément le dernier animé à la mode sur cette console. De plus, se procurer une licence est vraiment bénéfique pour l'entreprise, puisque ces derniers n'auront pas à se soucier de la création d'un univers original, vu que celui-ci est déjà connu des joueurs. Il ne manque donc qu'un gameplay cohérent avec la dite licence pour pouvoir faire un jeu vidéo digne de ce nom. Et avec sa très grande expérience dans les jeux d'arcade et ses équipes talentueuses à portée de main, c'était une véritable aubaine pour Sega qui avait véritablement tout à gagner dans l'histoire. D'autant plus quand on sait qu'en ce début d'année 1986, il n'y avait encore que très peu de jeux à licence sur Famicom. De ce fait, Sega va donc rapidement s'atteler à l'acquisition de licences en usant de ses différents contacts qu'il pourrait éventuellement lui permettre d'obtenir les franchises les plus en vogue à l'époque et qui pourraient fortement intéresser les joueurs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Sega a eu le nez fin en allant directement démarcher des maisons d'édition et des studios d'animation, puisqu'en réalité, la compagnie va réussir à négocier de très belles licences qui étaient en leur temps juste complètement folle. A commencer par sa toute première acquisition, où Sega a réussi à négocier du très lourd, puisqu'ils ont eu la chance d'acquérir la licence du cultissime manga et animé qu'est Hokuto no Ken. Cela ne va pas forcément parler pour certains, mais pour la petite remise en contexte, en 1986, Hokuto no Ken, c'est la franchise du moment, avec un manga papier qui se termine tout doucement, un film d'animation qui a fait sensation lors de sa sortie au cinéma, et surtout un animé diffusé à la télévision qui fait des véritables records d'audience aux côtés de Urusei Yasura et du tout nouvel Outsiders nommé Dragon Ball. Autant vous dire que pour une première licence, ce fut un véritable succès pour Sega
qui a fait grandement parler de lui via une publicité très attractive pour le jeu, mais aussi de par le fait que ce dit jeu sur Mark III fut en réalité le premier jeu de la franchise à apparaître sur console de salon, et ce, quelques semaines avant la version qui était prévue pour la Famicom. Une première grande victoire de Sega face à Nintendo, qui va donner évidemment du peps à la compagnie, qui ne va pas s'arrêter en si bon chemin, puisqu'en effet, Sega va continuer sur sa lancée et va obtenir d'autres grosses licences, avec entre autres du High School Kimengumi, du Sukeban Deka 2, du Hanmitsu Ime, et va même tenter d'obtenir la licence Dragon Ball, qui malheureusement va leur être refusée. Mais ça, vous le savez déjà. Bref, c'est toute une farandole de titres incroyables qui va venir ponctuer la vie de la machine et qui va lui permettre d'intéresser pas mal de joueurs qui vont se laisser tenter par l'expérience de la Mark III malgré que la Famicom domine encore très largement le marché. Mais avec tout ce que je viens d'énoncer, certains d'entre vous doivent se demander « Mais où est Xilion dans l'histoire ?» Eh bien, c'est à partir de ce moment précis que l'histoire va devenir intéressante et va prendre des tournures tout à fait inattendues. Car en continuant ses démarches pour obtenir de nouvelles licences, Sega va de plus en plus se rapprocher de studios d'animation comme la Toei, les studios Pierrot, Pony Canyon, qui vont leur permettre de réaliser de chouettes petits jeux comme on a pu voir précédemment. Mais aussi, ils vont aller démarcher d'autres compagnies qui vont décliner leur offre, comme notamment la Tokyo Movie Shinsha, qui était déjà en contrat avec Hudson, et où d'ailleurs, ils étaient en train de réaliser l'animé Bugs Yoni, qu'on en reparlera un jour. Mais surtout, ils vont aller voir la Tatsunoko Productions. Et cette rencontre va être très importante pour la suite. Car lorsque Sega débarque chez Tatsunoko Productions vers la fin de l'année 1986, c'est la crise. Le studio est en proie à d'énormes difficultés financières suite au très mauvais succès de leurs trois dernières animés que sont Akainuke Ichiban, Doteraman et surtout Ikari no Desensu qui n'a absolument pas plu au public et a carrément été déprogrammé faute d'audience. Et comme si cela ne suffisait pas, l'actuel président, Kenji Yoshida, qui était en poste depuis 10 ans, quitta le studio très soudainement, laissant sa place à son frère Toyohara, qui doit faire face à toute cette perturbation pour ce studio qui autrefois enchaînait les succès et était très prospère. Autant vous dire que l'ambiance était plus que morose au moment où Sega arrive chez Tatsunoko, qui ne peut d'ailleurs pas proposer quelque chose de probant à Sega, étant donné que l'entreprise était venue négocier des licences fortes qui étaient dans l'air du temps. Une situation plutôt triste qui aurait pu très bien s'en arrêter là, comme ce fut le cas pour la TMS, mais cependant, l'histoire est étrangement faite, puisque dans cette situation assez délicate, Sega va y voir une opportunité en or pour promouvoir aisément ses produits, et ce, grâce au talent que dispose la Tatsunoko. Car en effet, Sega va proposer un deal à Tatsunoko où celui-ci va proposer de financer en partie le prochain animé de Tatsunoko en échange d'un placement de produits assez important, à la fois pour son dernier jouet à la mode, que sont des pistolets optiques qui marchent grâce à des faisceaux lumineux, mais aussi et surtout pour leur fameuse Mark III qui peinait véritablement à décoller. Une telle proposition ne se présentant que très rarement, Tatsunoko accepta donc volontiers la proposition de Sega, surtout que cela tombait plutôt bien, puisqu'un certain Mitsuhisa Ishikawa, producteur indépendant et en charge d'une petite équipe au sein de la société, avait justement envie de réaliser un animé de science-fiction qui venait tout juste d'être mis en chantier. Cela tombait donc plutôt à pic pour les deux sociétés, où Sega allait avoir une belle publicité pour ses produits, tandis que Tatsunoko allait pouvoir réaliser un chouette animé sans se soucier du budget conséquent que cela engendre. C'est donc dans cette optique que pendant quelques mois, Tatsunoko va travailler conjointement en secret avec Sega sur la production de l'animé Xilion qui s'annonçait très prometteur et allait permettre de société de pouvoir revenir aisément sur le devant de la scène. À la fois pour Tatsunoko et ses équipes qui allaient enfin revenir en force après plusieurs échecs, mais aussi pour Sega qui allait avoir droit à une grande publicité pour son fameux pistolet qui sera l'élément central de la série et sera d'ailleurs calqué sur le modèle actuellement vendu avec la toute nouvelle monture de la console, nouvellement surnommée Master System, mais aussi pour ses productions vu qu'on pourra voir au cours de plusieurs épisodes un certain Opa Opa
héros iconique de Fantasy Zone qui était très populaire à l'époque auprès des fans, d'où sa curieuse présence dans l'animé. Et c'est donc ainsi que par la force du hasard, Sega va donc se retrouver en train de réaliser son premier projet de mix média qui évidemment a fait mouche tout de suite et a permis à la compagnie de vendre à la fois énormément de jouets, vu que c'est elle-même qui va vendre tous les pistolets ainsi que les figurines estampillées Exilion, mais surtout, Sega va pouvoir vendre de nombreuses Master System, aussi bien localement qu'à l'international. Car effectivement, entre les deux, la Master System est sortie sur le sol occidental depuis le début du projet, et il était tout à fait normal de faire profiter les Japonais que les petits occidentaux qui allaient avoir la chance de découvrir ce jeu très prometteur et qui allait réserver bien des surprises aux joueurs. Et nous y voilà. Après de longues minutes d'introduction, on va enfin parler du jeu en soi. Mais avant, je tiens beaucoup à remercier l'ami Julian qui m'a envoyé le jeu pour pouvoir le tester dans des conditions réelles et pouvoir donner un avis des plus complets. Donc, grosse dédicace à lui pour sa contribution. Mais enfin bref, cette introduction a duré bien trop longtemps et il est venu le temps d'enfin tester le fameux Xilion sur Master System. C'est parti! Sorti en mai 1987, Xilion sur Master System est donc un jeu d'action-aventure édité et développé par Sega, ainsi que librement inspiré de l'anime du même nom, diffusé depuis un mois à la télévision. A l'instar du dit animé, le scénario du jeu a été pensé tel un épisode de la série, où dans celui-ci, nous allons être plongés au cœur de la toute dernière mission des White Nuts qui consiste à aller détruire une énorme base souterraine NOSA qui vient d'être érigée non loin de points stratégiques militaires mais aussi des habitations. Habitués à ce genre de mission périlleuse et ayant soif de justice, nos trois héros acceptèrent volontiers la tâche donnée par leurs supérieurs et partirent donc s'infiltrer dans la fameuse forteresse des NOSA qui, contre toute attente, était piégée. Car en effet, les NOSA savaient pertinemment que les White Nuts allaient sûrement débarquer dans leur base pour stopper leur plan démoniaque. Et pour contrecarrer leur arrivée, et pour ne pas essuyer un nouvel échec, les NOSA vont concocter un terrible piège dans lequel Apple et Champ vont malheureusement tomber tête baissée. C'est donc une tragédie sans nom pour les White Nuts et une victoire qui aurait pu être totale pour les NOSA, s'ils avaient aussi capturé Gigi, qui a réussi à s'échapper du piège et à s'enfuir de la forteresse avant qu'il ne soit trop tard. Seul rescapé de son équipe, Gigi va donc devoir s'infiltrer seul dans la base ennemie pour à la fois sauver ses amis de cette infâme race extraterrestre, mais aussi pour poursuivre la mission donnée par leur supérieur, où il va devoir retrouver 5 disquettes disséminées un peu partout dans la base pour pouvoir détruire une bonne fois pour toutes l'ordinateur central de la forteresse. Bref, c'est une aventure dantesque qui attend notre héros qui n'est pas au bout de ses peines et va devoir braver bien des dangers au cœur des lignes ennemies. Pour un jeu Master System, ce scénario est vraiment décent et plus que sympathique. Certes, on n'a pas de belles cinématiques ou de chouettes dialogues en cours de jeu, mais le plot est tellement prenant dès le début qu'on ne peut que l'apprécier tant celui-ci nous plonge dans l'ambiance atypique de l'animé. D'ailleurs, cette qualité de scénario est plus que saluable, car pour du 1987, nous sommes dans ce qui se fait de mieux à cette époque-là, où les jeux d'aventure n'étaient pas aussi fouillés que cela en termes d'histoire. Suffit de comparer avec Metroid de chez Nintendo pour voir qu'on est au même niveau de qualité et ça, ça fait grandement plaisir. Donc, bravo Sega pour nous avoir donné un scénario d'aussi bonne qualité qui respecte à fond l'univers de l'animé. Mais évidemment, avec ce genre de production, ce qui nous intéresse le plus ici, c'est bien sûr le gameplay du jeu.
Et pour le coup, je peux vous garantir que nous sommes sur un jeu plus qu'original. Car si d'habitude les jeux d'aventure se résumaient bien souvent à parcourir des niveaux linéaires dans lesquels on doit une nouvelle fois éliminer tout un tas d'ennemis, ramasser des items lambda et éliminer un grand méchant à chaque fin de zone, ici, le jeu propose une approche tout à fait particulière du jeu d'aventure, puisque le joueur va pouvoir se diriger dans un gigantesque labyrinthe dans lequel il va pouvoir déambuler dans les dédales de la base à la recherche des 10 disquettes, mais aussi de ses amis. Cependant, pour pouvoir progresser correctement et accéder au cœur de la base, le joueur va être amené à devoir actionner de nombreuses portes qui lui barrent la route et ne pourront qu'être ouvertes que par l'entrée d'une combinaison spécifique dans le terminal que l'on trouvera dans chaque tableau. Pas besoin d'une clé spécifique comme dans tous les jeux, ici, le joueur va devoir explorer le tableau de fond en comble en explosant les différents coffres présents à l'écran pour pouvoir trouver différents symboles. Une fois en possession d'une carte magnétique et des 4 symboles récoltés sur le tableau en cours, il ne manquera plus qu'à rentrer la combinaison dans le terminal pour pouvoir ouvrir la porte de la prochaine zone. Bref, c'est une mécanique de gameplay qui est en soi très intéressante et qui mine de rien est plutôt bien pensée. Car au lieu d'avoir un jeu basé uniquement sur l'action, ici, nous aurons vraiment toute une phase d'exploration qui va nous pousser à découvrir des recoins de la base dans lequel évidemment, nous serons forcément récompensés avec plein de bonus en tout genre qui nous seront bien utiles pour faire face aux Noza. Car bien sûr, le jeu n'est pas une promenade de santé pour autant, vu que pendant notre exploration, nous allons croiser de nombreux Noza qui vont venir nous canarder sans répit et seront bien plus perspicaces au fil de notre avancement dans la base. Il faudra donc bien explorer en amont chaque zone pour trouver d'éventuels bonus qui pourront être plus qu'utiles, comme notamment des bouts de pain pour augmenter son énergie, un scope pour pouvoir apercevoir les pièges tendus sur le tableau. On pourra aussi évoquer l'icône Xilion pour pouvoir augmenter notre puissance de frappe, sans oublier le petit Opa Opa qui nous permettra de gagner un niveau supplémentaire. Car oui, tout comme un RPG, vous aurez ici l'opportunité de gagner des niveaux au fur et à mesure de l'avancement où nous pourrons obtenir beaucoup plus de points de vie, mais aussi le pouvoir de sauter bien plus haut, ce qui sera bien pratique pour accéder à certaines plateformes un peu plus délicates à atteindre en temps normal. Mais pas de panique pour autant, si vous n'arrivez pas à améliorer votre saut, dès que vous aurez mis la main sur un de vos camarades, vous allez pouvoir plus aisément progresser dans les niveaux. Puisqu'en effet, si pendant toute une grande partie de l'aventure, vous allez jouer uniquement avec Gigi, au fur et à mesure, et lorsque vous aurez mis la main sur Apple et Champ, vous aurez la chance de pouvoir jouer avec ces deux héros qui disposent d'habilités très spéciales et qui seront fort utiles. D'un côté, vous aurez des mouvements agiles et rapides avec Apple, tandis qu'avec Champ, vous serez certes un peu plus lourd, mais vous encaisserez plus de dégâts et allez anéantir les Noza très facilement. Ce qui n'est pas négligeable, car le jeu est quand même assez dur, on va pas se mentir. Car si les premiers tableaux se font sans encombre, où on peut revenir assez aisément à la surface pour se soigner dans notre vaisseau, par la suite, le jeu va se montrer bien plus dur, avec des pièges à tout va, des ennemis qui prennent plusieurs coups à vaincre, et mes petits chouchous, des tourelles qui tirent dans tous les sens et qui te font rater un saut millimétré. Qu'est-ce qu'on aime ce genre d'ennemis ? Donc autant vous dire que vous allez vous accrocher à vos points de vie et à vos différents personnages qui risquent de mourir un à un. Donc un conseil, faites attention où vous mettez les pieds et jouez stratégiquement pour déjouer les différents pièges qui seront sur votre route. Je parle beaucoup du gameplay du jeu, mais qu'en est-il de la réalisation technique ? Eh bien, comme vous pouvez le voir et l'entendre, c'est très rudimentaire. Aussi bien graphiquement, où on va retrouver un habillage assez sobre, que ce soit au niveau des décors qui sont très simplistes, de l'unique ennemi qui va être décliné en plusieurs couleurs différentes pour donner l'illusion qu'il y en a plusieurs, et enfin, on pourra aussi souligner l'animation des différents personnages qui est réduit à leur strict minimum. C'est clair que cela ne donne pas très envie comme ça, surtout qu'on pourra aussi reprocher au jeu d'avoir des décors qui sont très redondants, ce qui fait qu'on a tendance à se perdre facilement dans les dédales tant les tableaux se ressemblent tous. Et c'est pas la musique qui va rattraper le niveau, étant donné qu'elle souffre aussi d'un sévère manque d'identité, avec ses 4 thèmes uniques où on va avoir
Une musique pour la base, qu'on va entendre continuellement, une autre pour l'unique boss du jeu, et bien évidemment, on va aussi avoir le droit à l'opening et l'ending issus de l'anime qui seront omniprésents dans le jeu. Bien que les compositions soient plutôt de bonne facture, on pourra reprocher aux musiques de manquer cruellement d'originalité, où à mon sens, les équipes de Sega étaient largement en capacité de réaliser de meilleures compositions. Même si on va pas se voiler la face en disant que nous sommes clairement sur un jeu du début de la Master System. Les jeux à cette époque n'étaient pas aussi incroyables que cela, et la taille des cartouches était encore très restreinte. Donc finalement, difficile de vraiment pinailler et jeter la pierre sur le titre, vu que les équipes de Sega ont tenté de faire de leur mieux pour que le jeu soit le plus raccord possible avec l'animé. Soyons donc un peu indulgents et tentons de faire abstraction à ce jeu qui a pris un méchant coup de vieux. Et c'est d'ailleurs intéressant que je termine sur cette conclusion, vu qu'en effet, on est obligé de l'admettre, Mexilion est malheureusement un jeu qui a très mal supporté le poids des âges. On est clairement sur ce genre de titre qui était à l'époque juste fantastique et avant-gardiste en son genre, mais qui aujourd'hui sont assez compliqués à jouer tant ils ont des mécaniques de gameplay extrêmement datées. Je ne vais pas vous cacher que vers la fin, j'ai utilisé une carte pour pouvoir me repérer dans le jeu, tant la base d'Enosa est un véritable labyrinthe sans queue ni tête. J'ai d'ailleurs failli utiliser des cheat codes tant j'en avais marre de me faire défoncer par les ennemis et surtout rentrer des codes à l'infini à chaque fois que je rentre dans une nouvelle salle. Car oui, attendez-vous à rentrer énormément de combinaisons, vu que le jeu dispose en réalité de la bagatelle de 120 salles différentes. Autant vous dire que rentrer une combinaison par salle, cela ne va pas forcément plaire à beaucoup de personnes qui s'attendraient à jouer à un petit jeu d'aventure tranquille. Donc, vous voilà prévenus. Cependant, malgré ce petit point noir sur la copie, sommes-nous en droit de dénigrer totalement le jeu pour tous ses aspects d'une autre époque ? Eh bien, j'ai envie de dire non. Car en soi, Xilion reste tout de même un vestige du passé de la Master System, et fait d'ailleurs encore partie de ses grands classiques à faire au moins une fois dans sa vie. Certes, la réalisation technique n'est pas incroyable, le gameplay est assez poussif et il faut vraiment en vouloir pour le terminer de nos jours. Mais tout comme Metroid chez Nintendo, Xilion est un jeu qui a su marquer les esprits pour bien des aspects. De par son concept atypique, son ambiance unique, et dans sa manière dont il arrive à transporter le joueur au cœur d'une fantastique épopée digne d'un animé japonais. Donc oui, Xilion sur Master System est un jeu qui a mal supporté le poids des âges, et certains pourront trouver que le titre n'en vaut pas la chandelle. Mais pour les amateurs de Master System et ceux qui désirent retrouver une expérience plus qu'originale, le jeu fait partie des indispensables à acquérir sur la machine. En d'autres termes, je ne peux que vous conseiller de jouer au moins une fois à ce jeu, qui, je l'espère, va vous transcender et va vous plonger dans l'univers singulier de Xilion. Voilà que se termine cette nouvelle vidéo sur la chaîne qui, je l'espère, vous aura plu et vous donnera l'envie de regarder à la fois un super animé, mais aussi de jouer à un jeu d'anthologie sur Master System. Cette vidéo a été extrêmement longue à écrire, notamment la partie introduction où j'ai passé de nombreux mois à faire des recherches. D'ailleurs, si vous avez aimé la partie où je parle d'un animé fort méconnu, n'hésitez pas à me les dire dans l'espace des commentaires, cela m'intéresse énormément et pourrait même donner naissance à une nouvelle rubrique sur la chaîne. Sur ce, je tiens énormément à vous remercier pour votre fidélité à la chaîne, j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo et d'ici là je vous dis à bientôt et à la prochaine.
許さねえ。お前、お前一体何者だ。二年 D 組浅見麻希、またの名はスケバンデカ。